Moins de 5 ans après s'être dit oui pour la vie, Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam se sont séparés. Comme vous le révèle votre magazine Voici, si est-il la princesse monégasque qui a choisi de mettre un terme à leur histoire. Dans la famille de Monaco, on demande la princesse. Pas Charlène, l'épouse du prince Albert II, mais bien Charlotte Casiraghi, la nièce de celui-ci. Fruit des amours entre Caroline de Monaco et Stefano Casiraghi, la ravissante brune de 37 ans est presque aussi connue que son oncle. Une popularité qu'elle doit en partie à sa vie sentimentale, elle qui a vécu une belle histoire avec l'humoriste Gad Elmaleh, père de son premier fils, Raphaël, né le 17 décembre 2013. Ce n'est pas le seul enfant de Charlotte Casiraghi, puisqu'elle a eu un deuxième fils, Balthazar, né le 23 octobre 2018. Le père n'est autre que le producteur Dimitri Rassam, à qui l'on doit notamment le film Les Trois Mousquetaires, D'Artagnan, avec Vincent Cassel, Pio Marmaï et François Civil. Marié depuis juin 2019, 3 ans après avoir eu un coup de foudre, Charlotte Casiraghi et le fils de Carole Bouquet se montrent complices sur les tapis rouges, se soutenant dans leurs projets respectifs. Elle est très importante mais encore une fois je ne pense pas être très originale en l'espèce. J'ai beaucoup de chance d'avoir une épouse merveilleuse et des enfants tout aussi merveilleux, avait confié le réalisateur à son sujet, lors de son dernier passage sur le plateau de Quelle Époque. Seulement voilà, comme est en mesure de vous le révéler votre magazine Voici, en kiosque ce vendredi 26 janvier, leur belle histoire d'amour a pris fin. Charlotte Casiraghi, ce qu'elle ne supportait plus chez Dimitri Rassam d'après les informations de Voici, si est Charlotte Casiraghi qui a décidé de mettre un terme à leur histoire. Cela faisait déjà quelque temps que le couple traversait une crise, la princesse reprochant au réalisateur de 42 ans de ne pas être suffisamment présent. Dimitri, qui est devenu l'un des plus gros producteurs français, passe son temps à travailler. Il n'avait aucune vie de famille, c'était pesant pour elle, confie une source. Les deux époux auraient toujours réussi à surmonter les difficultés jusqu'à une dispute en particulier, qui aurait tout fait voler en éclats. Ce qu'il s'est passé? Si est à découvrir sans tarder dans les colonnes de votre magazine Voici. Découvrez toutes les informations sur la rupture entre Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam dans les colonnes de Voici, en kiosque ce vendredi 26 janvier.